Voilà. Cette vidéo, c'est pour le grand frère, c'est pour le vieux, c'est pour papa Valsero. Grand frère, j'ai été surpris aujourd'hui d'ouvrir ma page et voir que la vidéo que j'ai faite hier pour regarder Tingdengue comme toi a plus de 3000 commentaires, plus de 300 000 vues et 80 à 90% des commentaires sont contre toi, le vieux. Ouh! Je ne savais pas que tes multiples sorties faisait aussi du mal à certains Camerounais. C'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo uniquement pour toi, le général Valsero. J'espère que tu me suis. Et j'espère que tu vas suivre cette vidéo, partager cette vidéo, taguer moi, le général Valsero, pour qu'il puisse écouter ceci. Valsero, si tu n'as pas écouté la vidéo là, va encore regarder. Va lire les commentaires. Tu vas voir comment les Camerounais sont fâchés. Et tu sais le pourquoi? Ce n'est pas pour ton combat politique. Non. Parce que ton combat politique, j'apprécie, bien que je ne suis pas dans le même couloir que toi, ce n'est pas ma ligne éditoriale, je vous l'ai dit. J'apprécie ce que tu fais parce que tu as le courage de dire ce que nous, on n'a pas, nous, on ne peut pas. Donc, j'apprécie cela. Mais le fait que tu parles de tout et de rien, et parfois sans preuve, c'est ça que j'ai constaté que ça énerve beaucoup de personnes. Et comme j'ai dit dans ma vidéo hier, j'ai bien dit qu'il y a plusieurs vidéos que tu fais que je n'apprécie pas, que je n'aime pas. Et plusieurs vidéos, plusieurs sorties que tu fais que j'apprécie. Donc, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, Steve Fa a fait également une sortie comme Tingdengue. Parce que Tingdengue se plaint que tu ne fais que tirer sur lui et que du négatif. Parce que les gens se sont dit hier que je soutenais Valsero, je lançais Tingdengue à la vindicte populaire. Non! J'étais en train de dire à Tingdengue que même si Valsero a dérapé, même si Valsero a dit quoi, en tant que son grand frère, il a le droit de ne pas dire n'importe quoi. Il a le droit de respecter le général Valsero. Il ne doit pas dire n'importe quoi. Parce qu'il a commencé à l'insulter, où sa bouche est comment, le téléphone est comment. Non, 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 non. Il y a des choses qu'on ne dit pas, même quand on est fâché. Par le respect, le droit de naître. Donc, moi, si je veux regarder Valsero, je ne vais pas insulter Valsero pour qu'il comprenne que non. Tout le monde a le droit, quand tu fais ce qui n'est pas bien, on doit te reprocher. Comme maintenant, j'ai dit à Valsero de faire très attention. Je recommande à Valsero de fonctionner comme Dumento. Parce que quand Dumento sort un post sur toi, il dit que tu as passé une nuit quelque part. Quand tu veux nier, il sort seulement la vidéo. Il te montre même tes amis avec qui tu étais cette nuit-là. Donc voilà un peu ce qu'on attend de toi, le général Valsero. Comme je disais, donc, il y a cela quelques semaines, Steve Fa a fait une vidéo pour dire que tu as gâché sa vie. Gâcher sa vie veut dire quoi? Que tu as fait plusieurs vidéos mensongères sur lui en disant qu'il est ici ou il a fait ça sans preuve. Jusqu'aujourd'hui, j'attends le démenti. Jusqu'aujourd'hui, j'attends ta sortie pour prouver que si un jour j'ai parlé de telle chose sur toi, Steve Fa, voici la preuve. Tu n'as encore rien dit depuis, hein, le vieux? Oui, papa, tu n'as encore rien dit depuis. Tu ne penses pas que nous-mêmes, on n'est pas là. On attend, hein? On t'écoute. Tu n'as rien dit depuis là. Et je ne fais que t'observer. Est-ce que tu comprends, papa? Oui, quand on dit que quelqu'un se fait appeler papa, comporte-toi vraiment comme un père. Un papa n'est pas celui-là qui détruit ses enfants, mais qui réunit ses enfants, rassemble ses enfants. Voilà, il y a plusieurs de tes enfants, je vais dire ça comme ça, qui se plaignent déjà de toi, papa. Donc, essaie de revoir ta façon. Parce que même la mouche qui passe là, mais une fourmi qui traverse la porte pour entrer dans une chambre, tu es déjà dessus. Tu parles seulement. Tout, tu tires seulement. Tu es le champion en critique. Mais toi-même, tu as aussi les défauts. Essaye de revoir ta manière, Valsero. Jusqu'aujourd'hui, tu ne nous as pas sorti les preuves. Et c'est ça qu'on attend. Et il y a beaucoup qui suivent, il y a ton exemple, qui se lève comme ça et commence à dire que tel est ceci, tel est cela, tel a fait ci, tel a fait ça. D'autres étaient venus ici coller mon image à Steve Fa. Parce que quand je parle de Steve Fa, c'est que oh, je soutiens Steve Fa. Je ne sais même pas où Steve Fa est un démon seulement pour vous. Où il est quoi? Je ne sais pas. Vous avez vos raisons. Je ne sais pas. Steve Fa m'invite chez lui, je pars. Tout de même comme chaque chef d'entreprise, chaque promoteur d'entreprise m'invite, je pars. Pourquoi quand je pars ailleurs, vous n'avez pas de problème. Mais quand je pars à la Fagnente, vous avez les problèmes. Juste à dire qu'il est déjà sur les traces de celle de ci ou de ça.
Vous nous avez amené à vu traiter les business où? Même si on traitait les business, votre problème, c'est quoi? Toujours en train de... Je sais que beaucoup ont réussi à dire que toi, tu n'es pas différent. Toi-même, tu es aussi dans la vie des gens et ceci, machin, truc. C'est normal. Mais quand vous me parlez, je comprends. Donc, Valcero, j'étais en train de dire que, grand frère, va lire les commentaires. Tu vas comprendre que les gars ne sont pas contents de certaines de tes sorties. Donc, essaie de revoir ta façon de traiter tes sujets. Oui. Parce que les choses qu'on parle simplement comme ça, prendre le téléphone ou bien la caméra, balancer des choses sans preuve, ça détruit la vie des gens. Ça détruit certaines personnes. Surtout les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne sont même plus, ne regardent même plus la télé. Tout le monde est sur Internet. Tout le monde est sur le digital maintenant. Donc, faisons très attention. Tingdengue, c'est après là que je comprends vraiment le problème de Tingdengue. Tingdengue se plaint. La partie qui énerve Tingdengue, c'est où tu dis que aucune entreprise ne doit plus appeler Tingdengue pour supporter les lions. Voilà le problème de Tingdengue. Et à ce niveau-là, toi-même, grand frère, tu as fait fort. Tu es allé très loin. Toi-même, tu as dérangé. Tu ne peux pas aussi dire ça. C'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain. Le petit se bat. C'est un enfant qui se bat comme ça. Je préfère encore les enfants qui se débrouillent comme ça. Au lieu des autres là, qui passent le temps à fumer, ils appellent déjà ça maintenant. Ou c'est le quoi, le kiao. Je préfère encore les jeunes qui se débrouillent comme Tingdengue. Que de voir des jeunes qui sont partout là dehors, ils arrêtent les portefeuilles, ils arrêtent les sacs des gens, ils tirent leurs trucs là. Je préfère encore les jeunes qui se débrouillent comme ça. Au moins là, je dis félicitations à Tingdengue. Parce que c'est un petit qui se bat, il crée ses contenus et il faut apprécier. Quand c'est bon. Là, c'est bon, Tingdengue, je t'encourage. Où je te critiquais, c'était juste au niveau où tu manquais du respect à ton supérieur. Et je n'apprécie pas ça. Mais Valcero, tu as dérangé aussi dans ta vie en disant que aucune entreprise ne doit plus appeler Tingdengue. Recadre l'enfant, mais n'exagère pas aussi, ne déborde pas. J'attends toujours les preuves hein, de sortir. Tu dis qu'il y a eu ceci, telle personne est cela, telle personne est ceci. Prenez l'exemple sur Dieu maintenant là. Parce que maintenant là, quand Dieu maintenant dit, hey, tu veux un peu bavarder, tac, le gars sort seulement les preuves. Valcero, j'espère que tu m'as compris. Hey, papa. Voilà. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672-30-37-85-697-39-27-28.